mai stato durante la sua latitanza, Depuis des décennies, la mafia sicilienne, également connue sous le nom de Cosa Nostra, a été l'une des organisations criminelles les plus puissantes et les plus craintes au monde. Et si nous devions identifier une personne qui a incarné le pouvoir et la cruauté de cette organisation, ce serait sans doute Salvatore Totò Riina. Né en 1930 dans le petit village de Corleone en Sicile, Totò Riina est devenu l'un des membres les plus importants et les plus violents de la Cosa Nostra. Il a dirigé l'organisation de 1983 jusqu'à son arrestation en 1993, et pendant cette période, il a orchestré des dizaines d'assassinats, de bombes et d'extorsions qui ont terrorisé l'Italie et au-delà. Mais qui était Totò Riina? Comment a-t-il acquis autant de pouvoir et de contrôle sur la Cosa Nostra? Et comment ces actions ont-elles affecté la société italienne et le monde criminel? C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage, à travers des témoignages de personnes ayant vécu cette période. Il a dit « Je te tuerai comme un chien ». Des analyses d'experts et des images d'archives. En le regardant, on sentait qu'il incarnait le pouvoir. Capo dei Capi, ce n'est pas qu'une façon de parler. Nous allons plonger dans l'histoire de Totò Riina et de la Cosa Nostra, en explorant les aspects les plus sombres de cette organisation et en essayant de comprendre son impact sur l'Italie et au-delà. Per fondare le regole sociali, leggi d'onori, di sangue e di guerra, leggi maggiori, minori e criminali, esti regoli di sangue e d'omertà, da patria a figlio si li tramandarono, questi leggi di la società, leggi così una storia d'assato. Camurra e mafia. È cosa nostra e non si può sapere. Cosa Nostra est le nom communément donné à la mafia sicilienne, qui est une organisation criminelle italienne. Elle a vu le jour en Sicile au début du 19e siècle et s'est depuis étendue dans d'autres régions d'Italie et à l'étranger. Je suis né à Altofonte, un petit village situé près de Corleone, dans une famille mafieuse. J'étais un mafieux, ainsi que mon père, mon grand-père, mes oncles et même mon arrière-grand-père. Cette famille depuis le 18e siècle. Cosa Nostra est une organisation complexe avec une hiérarchie très stricte et des codes d'honneur rigoureux. Les membres sont liés par un serment d'allégeance et un code de silence appelé omerta, qui interdit toute coopération avec les autorités. Quand on débarquait sur une scène de crime, on avait l'impression d'être sur la Lune, parce que personne ne voyait jamais rien. Je me souviens d'un meurtre où un homme avait été assassiné devant les cajots d'un marchand de légumes. Le marchand de légumes était à côté de moi, et je lui demande « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il m'a répondu « Je ne sais pas, je tournais le dos, je n'ai rien vu. » Voilà un peu le climat de l'époque. Nous savions qu'il y avait une organisation criminelle, mais nous n'arrivions pas à abattre le mur de l'omerta. Michele Greco, avec son même aplomb œcuménique, toujours convaincu d'être le pape, s'adresse au président Giordano et lui dit « Non sono parole mie. sono parole del nostro Signore. E vi auguro ancora, signor Presidente, che questa pace vi accompagnerà nel resto della vostra vita, oltre a questa occasione. Il nous souhaitait une paix éternelle. Certains ont interprété cette déclaration comme une menace, et donc ce n'était pas particulièrement rassurant. C'était une manière détournée d'essayer de créer un sentiment de peur, de terreur. Je pense que Michele Greco a voulu ainsi rappeler son statut de chef et réaffirmer son importance. Et je suis devenu membre officiel suite au rituel appelé la Punciuta, la piqûre. Il pique votre doigt pour obtenir 2 gouttes de sang et vous donne une image sainte. Ensuite, ils y mettent le feu et vous devez vous assurer qu'elle se consume. Par la suite, vous devez répéter: devant cette image sainte, je jure que ma chair brûlera si jamais je trahis Cosa Nostra. Il y avait aussi un autre accusé qui essayait de se transpercer les lèvres avec des bouts de métal pour signifier symboliquement qu'on ne lui donnait pas la parole, ce qui était complètement faux. Les activités principales de Cosa Nostra incluent le trafic de drogue, la contrebande, l'extorsion, le blanchiment d'argent, l'enlèvement et l'assassinat. E dire, io neanche, non è che andavamo là, ammazzavamo, non ci pensavamo anche 2 minuti, non ci pensavamo completamente, andava là, ammazzava, ci siamo ammazzati, questo ammazzava e via, non ci perdeva tempo, non è che voleva sapere il motivo perché veniva ammazzato. E noi non vedevamo mai, io mi ricordo, lei ha visto il padrino? Quando si riunivano a casa c'era quello Ciccio Panza, là faceva pasta col sugo, salsicce, queste cose, era uguale. Noi ogni rifugio che c'avevamo c'era Tizio che preparava da mangiare, quell'altro che preparava così, quello andava a comprare da mangiare, eravamo pronti già subito con le macchine perché dovevamo partire e ci davano le soffiate a chi doveva andare. Les membres de Cosa Nostra sont également connus pour leur utilisation de la violence pour protéger leurs intérêts et éliminer leurs rivaux. Per conto di Cosa Nostra ho fatto tante cose, ho commesso tante brutte cose e fra tante queste brutte cose ci sono pure gli omicidi. Il y avait une chambre de la mort, comme au Moyen-Âge, où on dissolvait les corps des ennemis dans l'acide après les avoir torturés. Della morte c'erano in tutti i punti di Palermo. C'era una sedia a tipo che usano i dentisti, una poltrona in cui c'era accanto c'era una vasca da bagno e dopo c'erano appesi in alcuni chiodi, in alcuni contenitori, insomma alcuni cordi. E dopo questi hanno detto che là venivano strangolate le persone, venivano interrogati, dopo messi nella vasca di bagno, sciolti nell'acido e dopo c'era a 30 metri, a 40 metri c'era il mare, quindi la conduttura buttava tutto a mare. C'était un père aimant. Ses enfants l'adoraient. Il parvenait toujours à justifier ses agissements. Pour eux, faire partie de la mafia était une bonne chose, parce que nous aidions les pauvres et les faibles. À cette époque, la mafia n'était pas cruelle, mais Riina a changé ça. Et avec lui, la mafia a mué. Il m'a dit que l'argent ne l'intéressait pas, parce qu'il avait d'autres idées. Au fil des années, Cosa Nostra a été confrontée à des opérations de répression par les autorités italiennes. Mai 1992, la violence atteint son paroxysme. Une explosion détruit l'autoroute entre Palerme et Capaci. Riina a décidé de s'attaquer directement au gouvernement. Mais l'organisation a réussi à s'adapter et à survivre en se réorganisant et en diversifiant ses activités criminelles. Aujourd'hui, Cosa Nostra reste l'une des organisations criminelles les plus puissantes et les plus redoutées au monde. Je ne dis pas que nous avons gagné la lutte contre la mafia, car ce serait faux. Aujourd'hui, 80% des commerçants palermitains payent encore le pizzo, l'impôt mafieux. Cela signifie que la guerre n'est pas encore gagnée. La mafia est toujours la même. Mais dans le temps, elle a su s'adapter à l'évolution sociale et économique. À l'époque, elle était dans la drogue. Aujourd'hui, elle fait des affaires. Elle s'est fondue dans la société. Elle est devenue invisible et c'est pour ça qu'on doit la craindre plus que jamais. Chapitre 1, parcours de Totò Riina. Totò Riina est né le 16 novembre 1930 à Corleone, en Sicile. Titio, viens ici, je vais te montrer de quoi est faite une bombe. Totò va me chercher le dos, il faut que je dépêche-toi. Elle est dure, mais je vais l'ouvrir. Il a commencé sa carrière criminelle à un jeune âge, en rejoignant la mafia locale. Il a rapidement gravi les échelons de la hiérarchie de la Cosa Nostra grâce à sa détermination, son intelligence et sa violence. Au fil des ans, Totò Riina a été impliqué dans de nombreuses activités criminelles, notamment le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et les assassinats. Il ne s'est pas contenté de tuer ses ennemis. Riina va aussi s'attaquer aux représentants de l'État. À Palerme, entre 79 et 82, les institutions sont décapitées. Le président de la région, le chef de l'opposition, le chef de la police, le chef de la magistrature, ils tombent tous. Il a établi des liens étroits avec d'autres membres importants de la Cosa Nostra et a travaillé en étroite collaboration avec eux pour étendre son pouvoir et son influence. La violence non fait partie de la mia dignità. Io la ripeto, la violenza non fa parte della mia dignità. Ho capito perfettamente. La ringrazio, signor Presidente. La violence ne fait pas partie de ma dignité. Il voulait montrer par là que sa dignité était au-dessus de celle des autres. Les autres commettaient les meurtres, que lui-même avait commandités, mais que ce n'était pas lui qui assassinait directement. Il était au-dessus de tout ça. En 1981, Totò Riina est devenu le boss suprême de la Cosa Nostra, prenant le contrôle de l'organisation criminelle en remplacement de Salvatore Totò Riina. Cupide et capable de n'importe quoi pour arriver à ses fins, également prêt à... Sous sa direction, la mafia a connu une période de croissance et de prospérité sans précédent, avec une extension de ses activités criminelles dans toute l'Italie et au-delà. Cependant, Totò Riina était également connu pour sa violence extrême et sa brutalité. Il a ordonné de nombreux assassinats pour éliminer ses ennemis et maintenir son contrôle sur la Cosa Nostra. Il a littéralement décapité chacune des institutions de Palerme. Riina souhaitait avoir le contrôle total sur les institutions, la culture, la société civile et j'en passe. Et pour y arriver, sa stratégie était de tuer. Il a donc organisé une série d'attentats. Ma tante, 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 non si contavano i morti in quegli anni a Palermo, e quindi è stata una carneficina. Il est également devenu célèbre pour sa guerre contre les forces de l'ordre et les magistrats italiens qui cherchaient à démanteler la mafia. Il disait, on doit faire la guerre pour obtenir la paix. Selon lui, confronter le gouvernement en utilisant des bombes pourrait avoir un effet positif, non seulement pour Cosa Nostra, mais également pour toutes les mafias d'Italie. Disons que ce n'était pas le genre de magistrat qu'on pouvait approcher et manipuler. Donc on a reçu l'ordre de tuer le juge Kinnici. di uccidere Totò. Et ça a été le premier attentat à la voiture piégée. Pendant de nombreuses années, les enquêteurs n'avaient qu'une ancienne photographie. Son visage a récemment été vieilli dans un laboratoire du FBI. Nous ignorons encore si cette photo correspond à son nouveau visage. En conclusion, Totò Riina était un criminel influent et puissant qui a exercé une emprise importante sur la Cosa Nostra pendant plusieurs décennies. Son parcours montre l'ascension d'un homme à travers les rangs de la mafia pour devenir l'un des plus grands criminels de l'histoire de la Cosa Nostra. Chapitre 2 – La guerre des mafias. Dans les années 1980 et 1990, Totò Riina a mené une violente campagne de guerre contre d'autres clans de la Cosa Nostra. Come si risolvevano le cose? C'era per esempio un poliziotto che andava male o un politico che andava male, si parlava con il capo, cioè poteva essere il ministro, il capo del governo, il capo, e quella persona si trasferiva. Cette guerre a été déclenchée par une lutte pour le pouvoir et le contrôle de l'organisation criminelle et a causé de nombreuses morts et de la violence. Questo era un problema, andate all'accorciatore, c'era quello che dava fastidio, uccidiamo. Totò Riina a utilisé tous les moyens à sa disposition pour éliminer ses rivaux, notamment des assassinats, des enlèvements et des actes de terrorisme. À Palerme, les carabiniers, la police et les magistrats sont face à une situation des plus préoccupantes et perturbantes. Il ne fait aucun doute qu'une véritable guerre pour le contrôle du trafic de la drogue a explosé entre différents clans mafieux. Un mois s'est écoulé depuis l'assassinat des deux parrains, Bontate et Inzerillo. Or, la veille, un événement inédit a eu lieu. Pour la première fois à Palerme, une Kalachnikov a été utilisée pour tirer sur la vitrine d'une bijouterie. C'était l'œuvre de Riina. Il voulait vérifier si ses balles passeraient à travers une vitre blindée. Il a ordonné des attaques sanglantes contre des membres de la mafia ennemie. Les habitants de Corleone occupaient la ville. Ils étaient habités par la haine. Ils se servaient de gens corrompus au sein de familles afin d'éliminer les parrains. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de la mafia. Riina arrivait à persuader des membres de clans de tuer leurs propres frères, leurs filles, leurs oncles. En échange, il leur disait qu'ils deviendraient des chefs de la mafia. De cette façon, il trahissait d'autres parrains, y compris ceux qui lui étaient restés fidèles. Ainsi que des magistrats, des policiers et des journalistes qui enquêtaient sur les activités de la mafia. Malgré la violence de la guerre, Totò Riina est parvenu à consolider son pouvoir en tant que boss suprême de la Cosa Nostra. Il a éliminé ses rivaux les plus dangereux et a établi un contrôle absolu sur l'organisation criminelle. Riina a inventé un rituel selon lequel des gens se feraient étrangler après avoir dîné. Il informait les personnes de son choix de la réunion et du dîner. Les convives savaient ce qui allait se passer. Les victimes étaient choisies au préalable, on les suivait avec une corde et c'était fini. La guerre des mafias a également éliminé de nombreux membres de la mafia, ce qui a permis à Totò Riina de renforcer son pouvoir sur les survivants. Les Corleonesi avaient pris le pouvoir. Ils défiaient l'état de droit et attaquaient ceux qui n'allaient pas dans leur sens. Les vrais parrains étaient Riina et Provenzano. Si tu ne fais pas ce qu'on me dit, personne ne pourra te protéger, même pas l'État. On arrive. Si c'est pas aujourd'hui, ce sera demain, mais on viendra te chercher. En conclusion, la guerre des mafias a été un tournant décisif dans l'histoire de Totò Riina et de la Cosa Nostra. Elle a permis à Totò Riina de consolider son pouvoir en tant que boss suprême de l'organisation criminelle, mais a également causé de nombreuses morts et de la violence. Cette guerre montre la brutalité et la détermination de Totò Riina pour maintenir son contrôle sur la mafia, mais a également révélé la violence extrême de la Cosa Nostra. Chapitre 3 – Arrestation et condamnation. Un groupe de prospection. C'est une section qui agit en milieu civil. Nous utilisons des tactiques de guérilla que nous appliquons en milieu urbain. Peu de personnes savaient que nous étions à Palerme pour tenter de capturer Riina. Ceux qui étaient au courant disaient en ricanant « Vous venez de Milan pour vous perdre à Palerme afin d'attraper Riina ? Bonne chance !» Il était le visage même de l'inaccessibilité, complètement hors de portée. Pour nous, Falcon était le symbole de la lutte anti-mafia. La mafia n'était jamais allée aussi loin. Une tonne d'explosifs. Les enquêteurs l'ont qualifié de puissance d'explosion surprenante et inimaginable pour détruire l'ennemi juré. Cet homme qui est devenu, en quelques années seulement, le symbole de la lutte anti-mafia. Il a été tué en mai et en juin, nous étions prêts. D'après nos recherches, nous savions que nos cibles étaient 3 personnes originaires de Palerme liées à la mafia. Le nom Sansone est alors apparu au cours de nos enquêtes. Les Sansone étaient des entrepreneurs et avaient une propriété à Via Bernini. Nous savions que Biondino Salvatore était le chef du quartier. 10 minutes plus tard, Biondino est descendu de la voiture avec un passager que Di Maggio identifia. C'était Riina. Nous les avons pris en filature et nous avons bloqué leur voiture. J'ai sorti Biondino pendant que Vincenzo et Ultimo s'occupaient de Riina. Ça ne nous a pris que 10 minutes pour arriver au poste, mais j'ai eu l'impression que j'avais mis 5 ans. Les carabiniers m'ont emmené dans une salle où se trouvait Riina. Il se tenait sous le portrait du général Dalla Chiesa. On aurait dit un homme simple, un homme de la terre. En tout cas, c'était l'image qu'il essayait de renvoyer. Mais en le regardant de plus près, il avait quelque chose de très dérangeant. Je lui ai demandé s'il avait quelque chose à dire. Il a simplement répondu qu'il voulait être transféré en prison aussi vite que possible. Biondino, qui était à 20 mètres de lui, a commencé à s'agiter et à parler fort. Totò Riina s'est retourné et l'a regardé. Biondino a instantanément baissé les yeux, puis il s'est assis. Il n'a plus lâché un mot ce jour-là. On sentait le genre de pouvoir qui émanait de cet homme. En janvier 1993, Totò Riina a été arrêté par les autorités italiennes et inculpé de crimes graves, notamment de meurtre, d'association de malfaiteurs et de complot. Lei si è occupato di droga, evidentemente. No, non ho mai interessato di droga, perché se mi avesse interessato di droga, mia moglie non avesse bisogno di stare in una casa da mia suocera che faccio mesi baciati e mi passi a fare di mia suocera. Io non conosco queste droghe, queste cose che fanno tanto male ai bambini, ai vecchi, a tutto lo male. Ho capito. La prego, signor Presidente, di... Io non ho mai, io ho fatto solo l'agricoltore, il contadino, lavorando onestamente, io e la mia famiglia, cioè i miei genitori, i miei nonni, signor Presidente, e non è vero che ci sono cupole, non cupole, la cupola mia è la mia famiglia, e ho 4 figli e mi innamoro, sono qua alla volontà del Signore, ci aspettiamoci Dio. Io per provvedere a tutto, perché sono un vedente, se sono un vedente, sono una persona come vede tranquilla, e sto a fare il sono qua. Allora, lui è un vedente che non conosce il cuore, Non esiste, non sono cose che io leggo nei giornali, mi sento una fantascienza. Il a été accusé d'être à la tête d'une organisation criminelle responsable de nombreuses violences et de nombreux assassinats. Non ho frequentato nessuna criminale Cosa Nostra e quindi non conosco. La domanda è se riconosce l'esistente, se ne ha sentito parlare. No, non ho sentito parlare. Io, signor Presidente, sono un lavoratore. Non sono quello che si dice nei giornali, nelle televisioni. Aspetti un momento. Au cours des années suivantes, Totò Riina a été jugé et condamné à de nombreuses reprises pour ses crimes. En 1992, il a été condamné à la prison à perpétuité pour l'assassinat de deux magistrats. En 1993, il a été condamné à d'autres peines de prison pour ses crimes. Totò Riina est décédé en novembre 2017 à l'âge de 87 ans. Totò Riina est mort. Le parrain de la mafia est mort à 3h37 du matin à la prison de Parme. Il était dans le coma après deux interventions chirurgicales. Bien que sa mort ait mis fin à sa carrière criminelle, le souvenir de sa brutalité et de sa violence reste vivace. Conclusion. Totò Riina a été l'un des criminels les plus influents et les plus violents de l'histoire de la Cosa Nostra. Sa vie montre l'ascension rapide d'un homme à travers les rangs de la mafia pour devenir le boss suprême, mais a également révélé la brutalité extrême de la Cosa Nostra. En fin de compte, nous ne pouvons pas oublier les nombreuses victimes du crime organisé. Nous devons continuer à travailler pour mettre fin à la violence et à la brutalité de la mafia et pour faire justice pour les victimes et leurs familles. Nous ne devons jamais oublier les souffrances qu'ils ont endurées et nous devons nous efforcer de construire un monde plus sûr et plus juste pour tous. Non aveva niente a che vedere con Borsellino, con Falcon, che devo dire, io sono una povera vittima dello Stato e della vita italiana, questo ho capito.